Le gang toujours bien sapé, la plupart des pièces viennent du Japon. Pour le rap, c'est des cours d'AP et la recette se trouve toujours au charbon. Fabrique à Salamèche, ce soir fout le feu comme le rose à la mèche. Dans le dressing, y'a plus de cas, j'ai plus le temps depuis que j'ai ma tête. Et t'as du peur de moi, je te connais quoi, j'avais affecté tout ça, les filles du pleura, oui la prône excite. Elle me donne grave la beurre, il est temps de faire parler le talent les gars. C'est l'argent qui rembauche, je le sais, mais la pauvreté est fidèle aussi. Balance en vite les disquettes, tu représentes les vrais, des vrais qui te suivent. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, en direct de Toulouse avec la CP9. Ça va ou quoi les gars? Ouais, allez, allez. On est où exactement déjà là? Chez Jam Road Music, je suis like. C'est comment vous enregistrez ici vous? Enregistre là, ça fait une deuxième, ça va faire 2-3 fois qu'on est déjà. Voilà. Ok, vas-y, bah déjà pour ceux qui vous connaissent pas, je vous laisse un petit peu vous présenter. Bon, moi c'est Jovitux de CP9. Zéphira CP9. On a un groupe, le troisième il est pas là. Et voilà, on a un groupe 17 ans, Toulouse. Voilà. Vous avez commencé quand et comment le rap vous? On a commencé là en juin. On a commencé cette année en vrai, on savait qu'on rappait vite fait les uns les autres. Et après, du coup, on n'osait pas trop rapper, et après, un jour, on s'est chauffé, et puis voilà. Après, c'est l'influence des collègues, comme d'hab. Ok, vous êtes d'où sur Toulouse, vous, exactement? Moi, je suis sur Bagatelle. Déjà, ouais, pour commencer, votre style de rap, on voit, c'est un peu les styles qu'on retrouve sur Paname ou sur les villes comme ça, et on en voit rarement à Toulouse. Est-ce que vous pensez, vous, c'est dans vos objectifs d'apporter une nouvelle vague un peu à Toulouse? Déjà quand je dis style parisien, trop, genre on est plus style Kairi un peu. Ouais, ouais. Banger style en français. Puis voilà, après apporter une nouvelle vague, ouais, c'est l'objectif. Ok, puis les sons ambiançants, comme on en retrouve beaucoup ici, vous en pensez quoi vous? Franchement, on compte en faire, mais on trouve pas trop le moment en fait. On le fera peut-être plus tard, mais on verra bien. Et surtout pas pareil, on va faire différemment. Ok, comme vous m'avez dit, vous avez commencé il n'y a pas longtemps. Ça commence vraiment à bien marcher là en ce moment, ça marche bien. Ouais. Comment ça se fait que ça a pété direct? Je pense que c'est peut-être par rapport à notre style un petit peu différent, comme on disait. Alors à Toulouse, il n'y a personne qui rappe comme nous. Alors on a notre style à nous. Voilà. Et une question que je pose souvent aux rappeurs, est-ce que vous avez un top 3 de vos rappeurs préférés? Vas-y, on va commencer par toi si tu veux. Alors un top 3? Moi je n'en ai pas vraiment, j'ai pas top 3 de rapports préférés. Mais après, tu veux que je t'en fasse un là? Si t'en as en tête, vas-y. Ah, l'impro comme ça, c'est rappeur français, américain et tout. Ouais, tout. Alors là, je vais te dire Kendrick Lamar, Migos, et après un français, Damso. Ok, et toi Frangin? Moi, top 3, en top 3 je mets Hamza. En top 2, je mets Nino. Et en top 1, Migos. Ouais, Migos. Ok, lourd les gars. Il y a une question piège aussi. Je la pose vraiment pas très souvent. Mais c'est pas trop difficile. Mais le dernier son que vous avez écouté là, c'était quoi? Avant de venir, ou sans compter les vôtres, hein, bien sûr. Moi, c'était 4KUS NWA. Penalty, ça fait des années qu'ils consomment trop d'énergie. Les petits du quartier te pètent à l'âme, t'as plus d'énergie. On s'est cobaladé chaud. Ah ouais, bah l'album aussi vient de sortir. Ouais. Vous en avez pensé quoi de ces projets si vous avez écouté? Ouais, franchement, celui-là de cobaladé, je valide fort. Mais après, celui-là de 4KUS, je trouve c'est un peu calme. Mais sinon, dans l'ensemble, j'aime bien quand même. Pareil. Ouais. Ils sont cool les albums. Ok, ça marche. Et vous avez des projets prévus? Ouais. On a des projets prévus. Après, il y en a qui vont venir longtemps après, mais on a 2-3 idées déjà. Ça marche, c'est quoi comme genre de projet? Mixtape, EP, c'est quelque chose comme ça? Pour commencer d'abord, nous on voulait commencer par une EP normale, comme tous les rappeurs qui viennent débuter, après on verra. La dernière question que je dis à tout le monde, est-ce que vous avez une équipe de foot préférée? Moi, l'OM. L'OM? Ouais. Et toi mon gars? Moi, franchement, je suis pas très foot. Mais sinon Bayern. Ah ouais, bien vu. Bon, vous avez des réseaux sociaux aussi, on peut follow un petit peu. Ouais. Il y a CP9 officiel déjà, sur Insta, les stages groupe. Après moi, mon Insta perso, c'est sur CP9. Moi, Insta,
privé, c'est enfin, perso, c'est Jovetchux. Et le troisième qui manque, c'est Tichik NLDU. Ok, ça marche. Bah, en tout cas, merci à vous hein, pour l'interview. Grosse force à vous. Puis allez, tous ceux qui veulent aller voir, allez, allez-y direct sur YouTube, partout, partout. Allez, ciao tout le monde. Okay. Tu me racontes ta vie, toi, vote, check c'est éphémère. Je t'apprécie les tempos, quoi, Z, fais de la SMR. Et puis tous ces fakes, les gars, je les fasse. Insolent comme tout Tupac Shakur face aux cops.